salut à tous, c'est Nao et bienvenue pour la suite et peut-être la fin de Life is Strange. La dernière fois, on est passé par un moment très bizarre où on se retrouvait dans un monde un peu chelou. C'était n'importe quoi, je comprenais rien. Alors, est-ce que c'était vraiment qu'un cauchemar ou est-ce que c'est le choc de toutes les réalités qui s'est accumulé et qui a créé un énorme bordel? On le saura peut-être maintenant. En tout cas, on a retrouvé la réalité. Max, on est avec Max, Chloé. C'était très terrifiant en tout cas. Oh, don't you ever do that again, okay? I swear. Ou alors est-ce que c'était un cauchemar, on sait pas. It was so horrible. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour changer pour arranger ça quoi? All of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Bah, mais si on n'avait pas fait tout ça, Rachel serait, enfin, Chloé serait sûrement mort. Les personnes auraient continué à faire ces trucs horribles. And you saved me, which had to happen. Ça, en fait, le truc, qui est trop bizarre. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Ah, elle s'appelle Maxine. Je préfère Max, quand même. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Oh non, Chloé, elle va vouloir qu'on la laisse mourir. C'est ça? You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. Non. C'est mort, je suis pas d'accord non plus. Si ça se termine comme ça, c'est mort. I know. You prove that over and over again, even though I don't deserve it. I'm so selfish, not like my mom. Look what she had to give up and live through, and she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Non, elle va pas se sacrifier quand même, c'est mort. Say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Parce que c'est vrai que c'est que depuis qu'on l'a sauvé que c'est parti en carrette. Actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me. Oh, this week, non, je veux pas faire ça. Nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision, Chloe. I can't make this choice. Sorry, ce qu'elle demande là. You're the only one who can. Non, je veux pas faire ça. Il doit y avoir une autre solution, putain. Oh là là. Oh putain de merde. C'est quoi ce choix là? C'est quoi ce putain de choix? Je peux pas. Je peux pas. Si je sacrifie Arcadia Bay, Arcadia Bay, il y a tout le monde qui crève. Sinon, c'est Chloé. Mais c'est horrible ce choix. Donc soit tout le monde meurt, c'est-à-dire Warren, sa mère, son beau-père, Kate, tout le monde, soit juste Chloé.
Ouais, mais si je sacrifie tout le monde, ça va être la merde, quoi. Bon, il faut prendre un choix. Si je peux, je regarderai l'autre choix aussi pour voir ce que ça change. Oh putain. Max, it's time. Chloe, I'm so so sorry. I don't want to do this. C'est horrible. C'est quoi ce choix, quoi? On peut pas choisir. We have to save everybody, okay? C'est ça le truc, il y a trop de personnes qui meurent si je la sacrifie pas. Being together this week. It was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Ce qui est un peu moche, c'est que je me dis que du coup, tous les choix qu'on a fait tout le long, ça a changé les trucs, mais ça change pas la fin de base. I'll always love you. Pour choisir la fin, de toute façon, voilà, il n'y a que deux choix et c'est tout en fait. Do it before je trouve ça dommage. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Oh non. C'est horrible. Putain, je suis vraiment pas sûr d'avoir fait le bon choix. Ah putain, on n'est pas obligé de faire cette séquence. Dieu merci. Je me demande où elle a sorti la photo d'ailleurs, mais... Ah si, je lui avais offert, je crois. Peut-être qu'ils vont pas arriver. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am, or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Oh, don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh putain! J'aurais dû prendre l'autre choix en fait, c'est trop horrible! Ah ouais, t'as merdé, mec, ouais. C'est quoi ce jeu, quoi? C'est trop triste. Bon, moi, il était arrêté direct. C'est son père, je crois, non? Je vais faire son arrêté.
Et du coup, la tempête n'est pas là. Au moins, tout va bien. Je pense que j'ai choisi la fin la plus heureuse, entre guillemets, sur les deux. Et j'ai bien envie de voir l'autre, quand même. Mais je crois qu'il faut que je recommence au chapitre entier, donc... ce sera peut-être pas pour tout de suite. Mais du coup, ouais, le seul truc que je suis un peu déçu, c'est que du coup, tous les choix qu'on fait tout le long, bon, ça nous change les versions, c'est sûr, mais la fin, ça a influencé absolument pas la fin, en fait. La fin, c'est... on n'a pas le choix, on doit sacrifier quelqu'un, c'est soit Chloé, soit la ville. Mais je trouve ça dommage, du coup, que tous les choix qu'on ait fait tout le long n'influencent pas sur la fin. Ne nous laisse pas, par exemple, des choix en plus. Enfin, je pense, hein, sans me tromper que c'est ça, hein, mais... En fait, ouais, la tornade, c'était surtout parce que j'ai empêché un truc qui devait absolument se passer, quoi, en gros. Donc ça m'a. Ah, si j'ai bien compris, hein. Je pense vraiment que c'est la meilleure des deux fins, mais c'est chier quand même, quoi. Et du coup, est-ce que les autres personnages se souviennent de ce qui s'est passé ou... Ça se termine comme ça? Oh merde! Je suis un peu deg que ça se termine comme ça quand même. J'aurais bien voulu qu'il y ait une... Je sais pas. Bon, enfin en même temps, il y avait plus grand chose à dire, mais... Une dernière séquence jouable ou... Est-ce qu'il y a un truc après ou... Ah non. Ah oui, je suis pas connecté, bon c'est pas grave. Vous avez décidé de sacrifier Chloé. Ouais. Alors, David a été blessé pendant l'interaction. David n'a pas tué Jefferson. Ah, il aurait pu le tuer carrément. Vous n'avez pas sauvé Evan. C'est qui cela?
On n'avait pas sauvé Alisa. Ouais, bah ouais, du coup. On n'avait pas sauvé le pêcheur. J'avais plein de gens à sauver. Ah si, on pouvait pêcher le pêcheur. Vous n'avez pas changé Joy's avis à propos de David. Vous avez embrassé Wayne. D'accord. Et voilà, quoi. Et puis c'est tout. Ouais, je vais regarder, mais je crois qu'il faut que je recommence ce chapitre en entier. Ah, quoi, peut-être pas. Parce que j'aimerais vraiment voir l'autre fin. Ah non, c'est bon. Eh ben écoutez, on va vu qu'en plus l'épisode est court, donc je valide ce choix. Parce que je pense que c'est vraiment le meilleur des deux, et puis c'est mon choix, donc voilà. Dites-vous que mon let's play, c'est la fin que vous venez de voir, voilà. Mais je suis quand même curieuse de voir juste l'autre fin, même si je l'aurais pas choisi de toute manière. Donc on va aller la voir. Donc, recommencer ce chapitre en mode collectionneur, recommencer le jeu à partir de ce chapitre. Ouais. Sur l'emplacement de... Oui, non, mais ça change rien de toute façon. Donc normalement, on va revenir directement au choix. On va pouvoir voir le train. Ah, voilà, parfait. Dommage juste que je puisse pas passer. Ok. Donc, même si je pense que c'est une putain de mauvaise idée, on va sacrifier Arcadia Bay. C'est parti. Max, it's time. Not anymore. Elle va pas s'énerver parce que je suis sa mère quand même là. Si ça, j'ai rien, mais. Max, I'll always be with you. Forever. Ils vont tous mourir là. Quoi que ce sera peut-être une bonne fin, à part qu'on aura tué tout le monde. Hein. Ah. Oh là là. Il y a tout qui s'envole et tout. Ouais, je pensais qu'elle serait un peu en colère quand même contre nous, mais... Mais non, mais pas. Elle s'en fout. Ma mère est morte, ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va donner, du coup? C'est une baleine, là? Ah oui, c'est une baleine. Qui est sur le toit de la maison. Oui, oui. Die. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a des biches de partout, dis donc. C'est un peu égoïste cette fin quand même, hein. Genre, non, je veux pas sacrifier mon ami, donc. Enfin, je vais tuer tous les autres. C'est tout ?
Ah bah non, je suis un peu déçu là quand même. J'aurais voulu savoir ce qu'on devient quand même un peu toutes les deux. Ouais, bon. Ouais, on finit avec Chloé, machin et tout, mais je préfère l'autre fin quand même, parce que ouais, c'est un... je trouve que c'est un peu pute quand même de tuer tout le monde juste pour elle. Ouais, si son destin c'était vraiment de mourir au début, bah voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Je pense quand même qu'elle doit être plus heureuse dans la fois que j'ai choisi Max que dans celle-là, hein, parce que elle va avoir des remords après en mode « Oh, j'ai tué tout le monde !» Ouais, non, je préfère quand même l'autre fin. Mais bon, au moins, on aura vu les deux. Ça, on s'en fout. Donc voilà, bah, c'est la fin de ce let's play sur Life is Strange. Franchement, un très 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 bon jeu. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré pas mal de trucs. Donc là, la tempête est passée, comme vous pouvez le voir. Et voilà, bah, je pense que je le referai, moi, sûrement, le jeu, mais hors let's play. Comme je l'ai dit, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que la fin se limite à deux choix finalement, et que tous les choix qu'on a pu faire le long du jeu, bah finalement ne change rien à la fin en fait, quoi. C'est, je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est quand même un super jeu, je me suis éclaté. J'ai laissé couler une petite larmouille quand même tout à l'heure, mais j'ai pas pleuré. Moi, avant de me faire pleurer, vous savez, dans un jeu, faut y aller quand même, quoi. Je pleure pas facilement comme ça. Je suis une guerrière. Oh. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me proposer des jeux. Même si je réponds pas forcément aux commentaires, je vois vos propositions. On m'a proposé notamment Manhunt et d'autres jeux. Alors, je ne les ai plus en tête, mais vous inquiétez pas, je les marque. Si je les fais pas maintenant, je les ferai sûrement à un moment donné. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, continuez à me proposer les jeux. Si vous pouvez en trouver d'autres dans ce genre-là, parce que j'adore les jeux à choix multiples comme ça. Et voilà, j'espère que ce let's play vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Et à vous abonner si c'est pas encore fait, je vous fais un gros bisou. Je vous aime, petit moignon d'amour. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la suite de nos aventures. Bye bye. Ta gueule toi, tu me stresses. Je sais pas si elle fait peur ou pas la démo du coup. D'ici, oui, je crois.